La veuve d'Abban Ramdan, la Mujahida Azza Bouzekri, est décédée à El Bihar, à Alger, à l'âge de 89 ans. Née à la Casbah d'Alger, Madame Bouzekri était membre de l'organisation civile du Front de Libération Nationale FLN de 1955 à 1962. Outre des tracts du FLN, la défunte, qui était formée à la sténodactylographie, avait eu l'honneur de taper les 6 premiers numéros du journal El Mujahid ainsi que la plateforme du congrès de la Soumam en août 1956. Après la mort d'Abban Ramdan en 1957, elle avait épousé en novembre 1959 son ami de toujours, Slimane Hilles, dit colonel Sadr. Pour témoigner de son hommage, Ali Hilles avait publié cela sur tous les réseaux sociaux. Fière de mon aînée qui était courageuse, audacieuse et battante pour l'Algérie indépendante. Il n'y a pas un jour qui passe, que ce soit le matin, midi ou soir, lorsque je prends le café avec elle, sans qu'elle ne me raconte un épisode poignant de la guerre d'Algérie. Elle resta enfermée durant 3 mois à taper sur sa machine dactylographe les résolutions du congrès de la Soumam. Izza Bouzekri, Madame veuve Abban Ramdan, aujourd'hui Madame Hilles Izza. Elle avait écrit « Je suis née à la Casbah, 17 rue Pyramide, en 1928. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu mon père qui gagnait péniblement sa vie. Nous avons déménagé à Notre-Dame d'Afrique, rue du Carmel, où j'ai fréquenté l'école communale jusqu'à l'obtention du certificat d'études, puis j'ai continué à la Chabiba, où j'ai été imprégné et sensibilisé à la cause nationale par Cheikh Tayyib Al-Urbi, qui a eu une grande influence sur moi. Nous étions pauvres et ma mère, veuve, travaillait. Je l'aidais comme je pouvais. J'avais conscience de l'indigence des indigènes comparé au train de vie des colons. L'injustice était flagrante. J'ai commencé à militer en 1947 au sein de l'AFMA, Association des femmes musulmanes algériennes, sous l'égide du MTLD et présidée par Mamia Chentouf. J'y ai croisé Nafis Ahmoud, futur professeur Laliam. Nous faisions beaucoup de social et nous entrions dans des mariages à la Casbah et à Belcourt pour entonner des chants patriotiques, ce qui nous valait de ressortir avec une petite cagnotte. En 1949, atteinte de tuberculose, je suis envoyée à Marseille où je suis sauvée in extremis. Lors de mon séjour au sanatorium d'Annecy, qui dura environ 15 mois, j'ai été formée à la sténodactylo. De retour à Alger, j'ai décidé de m'émanciper en enlevant le hayek au grand désespoir de ma mère, de parfaire ma formation à l'école Pigier. C'est grâce au MTLD que j'ai trouvé un poste de secrétaire chez un avocat, Maître Boyer, rue Duc Descartes, à Alger. Dès le déclenchement de la révolution, j'ai cherché à rejoindre le FLN. Nassima Hblel fut la première à y accéder et ce n'est qu'en juillet 1955 que mon vœu se réalisa. Nous avions un voisin qui enseignait l'arabe, Hussein Belmili, avec qui je discutais le matin avant d'aller à mon travail. Un jour, il m'a dit « Tu es sûr de vouloir entrer dans le FLN ?» Oui, ai-je répondu. Alors, tiens-toi prête demain. Le lendemain, par une belle journée de juillet, nous avons pris un taxi direction la glacière à Al-Harrach. Un homme nous attendait. J'ai tout de suite compris que j'avais affaire à un élément important du FLN. Il m'a d'emblée tutoyé. Tu fais quoi ? Je suis la secrétaire d'un avocat. Tu tapes à la machine ? Oui. Tu as des contacts et des refuges sûrs ? Oui, alors tu seras contacté à ton boulot. Il a tourné les talons et a disparu.
je venais de faire la connaissance d'Abban Ramdan. 15 jours après, j'ai reçu la visite de Amar al-Rachid, agent de liaison. Abban cherchait un refuge. Je lui ai présenté Fatima Zkel, Ben Osman, qui l'a reçu chaleureusement. J'ai profité de mon travail pour taper tous les tracts et autres documents que le FLN m'envoyait, parallèlement à Nassima Hablel, jusqu'à son arrestation en octobre 1955, arrestation à laquelle j'ai assisté. J'ai cessé toute activité car j'étais fiché par la police qui me filait matin et soir, tout en continuant mon travail chez l'avocat. Quelque temps après, Abban m'envoie Mohamed Saddiq Ben Yahya pour me demander d'entrer dans la clandestinité. Ce que je fis, en m'installant dans la famille Al-Kama au 20 rue Bastide. J'ai eu l'honneur de taper les 6 premiers numéros d'El Mujahid ainsi que la plateforme de la Soumam. Après la grève des 8 jours, la répression policière a été telle que Abban a dû fuir Alger pour Tunis en février 1957, me laissant seul avec notre bébé. Ma vie de militante s'est arrêtée net. Je n'ai plus eu de ses nouvelles jusqu'en décembre 1957, date à laquelle je reçois un télégramme. Rejoins-moi. Arrivé à Tunis début janvier 1958, il était trop tard. Il venait d'être assassiné, mais je l'ignorais et on m'a laissé dans l'ignorance durant 5 longs mois. Je l'ai recherché sans relâche, jusqu'au jour où j'ai croisé Slimane Dhilis, dit le colonel Sadak, son ami de toujours, le défenseur de la veuve et l'orphelin. Nous avons pleuré à Ben ensemble et je l'ai épousé en novembre 1959. Et depuis, je suis murée dans mon silence. Izza Bouskri, veuve à Ben Ramdan, épouse de Slimane Dhilis, dit le colonel Sadak.